la plage une enfant que sa mère a menée avait d'abord surpris par un joli visage. Si ingénu, si fin, probablement jamais on avait vu si reposant, si sage. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguée sorte d'inélégance que cet enfant avait sans le vouloir. La tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru lassée. Et le panorama des sables enlacés, tandis que de la mer, je regardais la main, tandis que de la mer, je regardais la main. Que faisait-elle pencher ou bien la recoiffant? Cette frêle fillette peut-être de 10 ans. On lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allaient près de l'écume, la première entendant rouiller sans trop de peine, les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Dès que je la vis loin partir dans une vague, debout sur le rivage, je m'armai de courage. Elle sort, la frappe, quel est son nom, qu'a-t-elle? Elle sort, la frappe, quel est son nom, qu'a-t-elle? Qu'à ses premiers mois, me répondit la mère. De loin, pareil aux autres, elle était identique. Elle paraissait normale et puis, soudain, dit-elle. Chacun s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas seule. De nul avait monsieur, ne le voyez-vous pas? On lui passe à son pied ce qu'elle ne pourrait pas. Une simple sandale qu'elle ne saurait lasser. Tandis qu'on lui secoue le sable qu'elle avale. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur, ne sachant le pourquoi de cette iniquité. Inquiet, je la guettais. Cette lointaine amie, inquiet, je la guettais, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affoulé, prêt à pleurer perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires, hanté par tant de choses. Peut-être similaire. Sur la plage, une enfant que sa mère a menée.